Je m'appelle Yannick et je suis lead data scientist chez Sicara depuis 2018. En tant que lead, il y a dans mon travail bien sûr une grande part technique. Non seulement je passe 50% de mon temps à coder, et je suis également responsable de définir la stratégie technique de chacun des projets, de choisir la stack technique et de définir une roadmap et de m'assurer qu'on la suive. Il y a aussi une grande part de management. Je suis responsable de la progression technique des membres de mon équipe. La richesse de mon travail, c'est avant tout la diversité des enjeux techniques sur lesquels j'ai l'occasion de bosser. Il y a du NLP, du data engineering, mais aussi bien sûr des projets computer vision. Et je pense qu'il y a trois choses qui me passionnent particulièrement dans mon travail. La première, c'est le fait de travailler à être meilleur en termes d'outils, en termes de méthodes tous les jours sur des sujets complexes comme ceux des projets computer vision. La seconde, c'est d'être impliqué sur la progression des autres Sicariotes. Je trouve ça passionnant. Et enfin, c'est le sentiment d'avoir un impact business ultra concret en travaillant sur des projets d'UPOC jusqu'à la mise en production. Il y a cinq projets sur lesquels j'ai bossé qui sont aujourd'hui en prod et je trouve ça vraiment super satisfaisant. J'avais déjà un an d'expérience quand je suis arrivé chez Sicara, ce qui m'a permis de passer lead assez rapidement. Ensuite, on m'a vite confié d'autres missions en plus que mon rôle de lead sur les projets. J'ai eu l'occasion de m'impliquer assez rapidement dans le recrutement, puis dans l'avant-vente. Dernièrement, je suis passé coach carrière de différentes personnes chez Sicara, ce qui veut dire que je suis responsable de leur progression dans la boîte sur le long terme. Ce qui fait que je me sens vraiment épanoui, c'est le fait justement d'apprendre de nouvelles choses tous les jours en étant confronté à des missions diverses. Par exemple, lorsque j'ai commencé à faire de l'avant-vente, ça m'a permis de progresser sur tout ce qui est contact client et également de progresser sur le fait de trouver la solution technique à un problème business précis le plus rapidement possible.